Yeah.
Mama Jésus,
Le prophète, il attaque la sorcellerie. Tu m'aimes pas, il attaque la sorcellerie. Dieu m'a créé pour ça. Mais en même temps, je chante. Que tu es content ou pas, moi, j'aime qu'on me critique. J'aime que les enfants de Satan m'attaquent. Ce n'est pas tout le monde qui peut m'aimer. Si tout le monde m'aime, c'est que Satan n'a pas son camp. Les enfants de Dieu vont m'aimer parce que nous combattons la sorcellerie. Nous permettons aux gens d'avoir l'espoir à la vie. Voilà, en même temps nous chantons. Je suis auteur-compositeur. C'est mon tout dernier album. C'est le 6e album. Et le prophète lui chante. Voilà. Vous pensez qu'il a traqué son chien seulement. Le prophète lui chante. Il est auteur-compositeur. La plupart des chanteurs que vous voyez, les désirs, les latos, je suis la source d'inspiration. Qu'ils aient morceau, je vais sortir en langue si Dieu, c'est moi, ils viennent voir. Et puis je leur donne la paix de Dieu. Si vous chantez pour Dieu, je vous donne l'inspiration. Nous sommes tous étrangers sur cette terre et nous serons un jour en compte à Dieu. Tu es étranger, que tu veux pas, un jour arrivera où ton cœur va s'arrêter. On appelle ça arrêt cardiaque. Tu seras face nez à nez avec Dieu. Il va te poser la question. M'as-tu servi? Tu as dit quoi? Non. Ou celui qui là-bas, oui, si. J'aime bien, oui, parce qu'elle est convaincue qu'elle aurait servi Dieu sur la terre. Ou celui qui a servi, tu vas dire oui. Amen. Amen. Celui qui n'a pas servi Dieu, tu vas dire, hé. Hey. Ta place là-bas. Là-bas, je dois. Tu peux faire le secret du Dieu de Dieu maintenant. C'est-à-dire, si tu veux, dis qu'il n'existe pas. Ok. Tu peux même dire que non, si c'est, j'ai pas le temps. Ok. Oh, le même le temps, c'est Dieu. Ok. On dit, le temps même, c'est un autre nom de Dieu. Ok. Fais ce que tu veux de Dieu. Mais un jour, il viendra où lui, il n'aura marre. Il va t'appeler. Tu seras né à né avec lui. C'est ça la situation de Chéchon. Nous allons tous partir. Que vous ne voulez pas, nous serons. Nous allons partir. Amen. Amen. Pour le chrétien, la mort est un gain pour le chrétien. Quand tu meurs, c'est une victoire. C'est vrai que les gens peuvent parce que la séparation fait mal. Mais tu vois dans la félicité éternelle. Et la Bible nous parle du Saint d'Abraham. Amen. Amen. Oh, le païen, il meurt, il va dans le séjour des morts. Le séjour des morts. L'enfer n'est pas encore ouvert. Peut-être que vous ne savez pas ça. On aura l'occasion de vous enseigner ce qu'on appelle l'eschatologie en anthologie. C'est le retour de Jésus. On aura l'occasion de développer tout ça. Actuellement, c'est le séjour des morts. Et de l'autre côté, c'est le Saint d'Abraham. Amen.
Lisez beaucoup la Bible, vous allez comprendre. Amen. C'est bientôt le paradis. Kene toto kene, aye nako. Kene toto kene, aye nako. Kwemo na patea, aye nako. Kwemo na nisho, aye nako. Mais les prophètes de la main, j'aime pas sa tête parce que pourquoi lui-même c'est sorcellerie? J'ai dit, mais vas-y, ton papa est Satan. Moi, je ne sais pas pourquoi ton papa est Satan. Voilà. Sorcellerie existe, pourquoi on combat la sorcellerie? Les sorciers, ils détruisent la vie des gens. Ça, c'est un. Les sorciers mangent la chair humaine. Ça, c'est deux. Les sorciers empêchent le développement. Ça, c'est trois. Comprenez? Donc, ils sont anti-développement. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de développement. Les sorciers empêchent beaucoup de choses. Que vous voulez ou pas, celui qui est contre ça, il est agent de Satan. Ah oui, celui qui ne se reconnaît pas dans ce combat, parce que c'est un combat, ça ne date pas des crasseaux. Les blancs eux-mêmes ont mené le combat. Regardez au Moyen-Âge. C'est que nous, vous parlez, vous pensez que c'est une question d'Afrique. Les blancs ont mené ça. Ils ont eu la victoire, c'est ça. Parce qu'ils ont pratiqué la chasse aux sorciers. Ils sont entrés dans ce qu'on appelle le siècle de lumière, le 18e siècle. Puis le siècle des Lumières, la révolution industrielle. Que vous voulez ou pas. Moi, je suis prêt, au prix de ma vie, prouver que par mon canal, Dieu sauve les gens. Si vous voulez tuer moi. Mais je vais dénoncer cette pratique. Je dénoncerai cette pratique. Je suis le seul homme de Dieu qui vit même avec les ex-sorciers. Or, d'ailleurs, on ne les accepte pas. Moi, je paye leur coût. Je leur donne à manger. Je les délie. C'est ce qui est très important. Je les délie parce qu'on ne délie pas les sorciers. Ils ont peur, ils ne délient pas. Moi, je les délie. Eux-mêmes, je les amène à la vie, à répondre pour la vie, parce qu'ils sont dans un machin qu'on appelle sorcellerie. Donc, j'en ai marre souvent. Mais ils sont dedans. Je les délivre, et puis je les amène même au service de Dieu. Donc, dans nos cas ici, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. Amen. 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 Si vous ne parlez pas de sorcellerie, ceux qui sont assis. Je dis aux gens, vous venez à l'église, vous ne parlez pas des sorciers. Mais ils sont assis là. Amen. Amen. Qui croit la puissance de Dieu? Amen. Qui croit la puissance de Jésus-Christ? Yonema, matoto bakaku, yonema yo. Eli ela kamir, ye matoto bakaku, yonema yo. Adewala kamima, wa matoto bakaku, yonema yo.
Ça ne me dit rien. Comment ça me dit? J'éclaire, j'ouvre les yeux des gens. Je m'en vais où des rangs. J'ai envoyé mes tueurs en 2010. J'ai poussé ma voiture plusieurs fois, mon guérissement. Si j'avais été pris au pays dans un cas, on cherchait mes tueurs. J'ai encore une fois. J'étais comme un fugitif. C'est ça. Quand tu déranges les gens, tu t'attaques. Mais je continuerai toujours de faire les tueurs. Ici là, nous dénonçons la pratique de la sorcellerie. Chacun a son domaine. Ça veut dire aux gens, la Bible dit quoi? Qui t'aime, qui dort? Ça veut dire quoi? Celui qui a mis l'ordre dans la vie, dans le monde. Or, la Bible parlait de ça quand on parlait des dons spirituels. Quand vous rentrez à l'hôpital, le chou de Komodi, vous voyez le chou de Pogo, vous êtes malade, vous partez voir un spécialiste. On appelle le généraliste. Il vous dit, monsieur, je constate que vous avez un problème, on doit vous opérer. Or, celui qui opère dans le chute, il a son coin qu'on appelle chirurgie. Il dit, moi je suis médecin, hein? C'est pas mon domaine. Là, je suis le chirurgien. Lui peut opérer. Amen. Monsieur, vous avez mon état. C'est ça. Vous ne dormez pas. Allez voir le dentiste. Voilà, vous avez un problème de ventre. Mais c'est gynécologue. Allez voir chez le gynécologue. Mais le bébé, allez chez le pédiatre. C'est comme ça que Dieu a donné un don à chacun d'entre nous. J'ai dit aux gens, c'est pas de l'orgueil. Celui qui nous fréquente, c'est qu'il est courageux. J'ai dit, viens chez nous. Tu es courageux. Yeah! Alors, on joue pas ça. Sur la vie, c'est un peu chez toi. Même si tu es pasteur, tu as fétiche, on va prendre ça, on va te dire. On n'a même pas de ça. C'est nous qui sommes ici, qui parlons de fétichisme, nous dénonçons cette pratique sans peur ni crainte. Or, nous dévoilons les œuvres du diable sans peur ni crainte. En Côte d'Ivoire, vous êtes malade, comme vous avez un pizza, vous êtes soulagé. Vous savez que Pisa va vous soigner. N'est-ce pas? Je ne dis même pas amen. Pisa peut nous soulager, donc ça peut nous soigner. Ok. On doit l'envoyer à Pisa, mais. Ça dit, il faut aller acheter 5. Ici, tous nos problèmes à 98% en tant qu'Africain, c'est la sorcellerie. Nous sommes premiers en boxing. Nous sommes premiers en uranium. Nous sommes premiers en or. Nous sommes premiers en diamant. Qui peut me dire le contraire de ce qu'il en est là? Le sous-sol, c'est nous qui avons la richesse. La surface de la terre, l'agriculture, c'est l'Afrique. Mais faut qu'on arrête. Regardez, levez le meilleur en attaque. Vous vous posez beaucoup de questions. Les plans ont commencé comme ça. Ils battaient les industries, ça tombait en faillite. À partir du 13-14e siècle, ont commencé. La révolution, l'industrie, c'est pas le 18e siècle. C'est à partir du 13e-14e siècle. Il y a eu des inventions. Ils ont compris qu'il fallait combattre le phénomène. Et ça marchait. Vous savez, je vous dis une chose. Tous ceux qui attaquent la sorcellerie en Afrique, on est tous. Tous ceux qui parlent de la délivrance de l'Afrique, que ce soit en matière de politique, que ce soit en matière de santé, ils sont le prix, le viable, qu'on appelle des enjeux. C'est-à-dire qu'on veut les tuer. Le robot, n'est-ce pas, là-bas, tuer. Tous ceux qui veulent voir l'Afrique délivrée, ils sont victimes de mort. Parce que les gens ne veulent pas ça. Ils veulent toujours nous voir entendre prisonniers. Moi, je peux la dénoncer. Parce que pour moi, la mort est un gain. Quand je meurs, je m'en vais au ciel. C'est ce qui est intéressant chez moi. Ici, on a vu trop d'espions. Il y a des gens, trop d'espions sont venus ici. Il y a les policiers, tous sont des gens passés ici. Mais Dieu les a convaincus que c'est la faute. Un travail qui est sérieux. Voilà. Un travail très sérieux. Nous délivrons les gens, nous amenons les gens à prendre goût à la vie. Thank you.
Convoqué la gendarmerie, le gendarme même me pose la question. Je ne sais même pas pourquoi les gens m'ont convoqué. On me convoque toujours pour m'enfermer. Parce qu'on ne veut pas que je parle. Moi, j'ai dit, je m'en fous. Tous les apôtres que vous voyez, ils sont morts martyrs. Il n'y a pas un qui est mort d'une mort naturelle. Et tous sont morts martyrs. Le dernier, c'est l'apôtre Jean, il est mort sur l'île Patmos. Les gens, ils ne veulent pas dénoncer ça. C'est ça qu'ils sont à Paris. Ils sont, ils ne veulent pas parler de ça. Ils sont dans les grosses. Ils veulent avoir de grosses voitures. Mais chacun d'entre nous rendra un jour compte à Dieu. Amen. Moi, quand il dit, c'est ce qu'il dit aux gens. Un pasteur qui n'a pas fait son pays, les villages de son pays, il vient à Paris, toi et moi, pas il dit bonjour. Si les blancs, c'est une autre logique. Les blancs, vous voyez là, tu ne peux pas aller dénoncer l'homosexualité en France, ils vont t'enfermer. Ils vont t'enfermer. Or ici, c'est ici qu'on peut parler de Dieu sans problème. En Afrique. Donc ceux qui disent, vous dites, moi je pars en Europe pour leur amener à venir. Quand je suis parti, j'ai eu le courage de venir. Parce que je vais ramener toute la diaspora à venir investir en Afrique. Ils sont peur de l'Afrique. Je leur ai dit, mais c'est parce que vous n'avez pas dit que vous avez peur de l'Afrique. Quand je vois les pasteurs là-bas, vous avez une grosse église. Ok, vous n'avez même pas visité les villages de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de l'orgueil, je suis l'homme de Dieu qui a visité plus de villages en Côte d'Ivoire. Je suis l'homme de Dieu qui a attaqué plus la sorcellerie. Je suis l'homme de Dieu qui les fétichés attaquent plus de plus en Côte d'Ivoire. Mais en vain. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Il y a qui veut prêcher là. Il y a Zaroko. Il y a Douaville. Il y a quel village encore? Babakakou, il y a tous les villages. Périno, il y a les à Paris. C'est à Paris, les gens vont m'écouter. Tu mens, t'es un sorcier. C'est la rente, tu cherches. Amen. Amen. Et les gens cherchent. Vous savez, moi, il ne reste pas à Abidjan. Je suis en ville ici. Encore, on parle. Moi, je viens en ville. Je viens ici à Divo. Parce que nos parents ont besoin de ça. Si vous voulez prêcher l'évangile, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, ils sont dans une apostasie pas possible. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église, ils savent que maintenant, là, l'Europe n'a plus besoin de l'évangile. Ils sont en train d'adorer le Satan. On dit là-bas, femme doit se marier, deux hommes doivent s'embrasser, ils doivent se marier légalement. C'est déjà là-bas. Vous êtes là-bas, vous avez fait quoi? Vous avez changé quoi? Point d'interrogation. Moi, quand il m'a dit là-bas, vous ne parlez pas de la société, vous ne combattez pas, vous ne dénoncez pas la pratique de la société. Parce que vous dénoncez ça. L'Église est faite pour être la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous éclairons les gens. Vous faites des choses qui ne sont pas bien. Et ils ont peur de parler ça. Parce qu'on va les menoter, les rapatrier. Ils ont peur de venir en Afrique. Mais cherchez-toi. Ou bien? Amen. Moi, j'ai un moyen de dignité. Donc, si tu m'envoies ici, je mange. Non, je ne mange pas de pizza en France. Ça, je vous dis ça. Je mange chocolat et puis je mange plagali. Il y a plagali. Donc, si tu me dis, moi, je sais que. Je ne suis pas habitué à pizza. Je ne suis pas né dans pizza. Je suis désolé. Je suis un mangeur de siocor, de tigriti, de sauce grecque. Elle fout tout.
Il est bon manger les riz. Donc si tu me dis, il m'a rapatrié, il m'a sauvé. Ou bien. Ou bien. Aïe! Jésus, aïe! Que mon Seigneur! Aïe! Jésus, aïe! Que mon Seigneur! Aïe! Aïe! La gloire, aïe! Que mon Seigneur! Thank you.
Dans la région de Tigo, a fait une œuvre d'évangélisation. Ça dit Jésus est bon, Jésus peut délivrer. Nous sommes en train de faire à soi une œuvre et il faut former les gens. Parce que Jésus, il avait deux paroles qu'il avait adressées aux disciples. Allez faire les nations, les disciples. Allez, ça dit d'abord répondre à l'ordre qui est d'aller parler de Jésus. Mais le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire les nations, les disciples. Or, quand quelqu'un n'est pas enseigné, il peut pas être disciple du maître. Amen. Amen. Nous avons fait, nous avons répondu à l'ordre, c'est d'aller évangéliser. Nous avons évangélisé la plupart des villages de Divo et la plupart des villages de Côte d'Ivoire. J'ai dit, je suis l'homme de Dieu qui a visité plus de villages en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Dieu m'a envoyé dans cette région, ici en Côte d'Ivoire, le pays d'Ida, ils sont les numéros 1 en matière de sorcellerie. Or là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est vrai que la grâce attend de surabonder dans cette région. Amen. Et le diable ne possède pas une région comme ça. C'est parce que cette zone est une zone minière. Il y a de l'or, il y a des bonnes choses. Le jour où vous allez voir qu'un coin est une forêt sacrée, c'est que le sous-sol est riche. Je vous donne cette révélation. C'est un usurpateur, Satan. C'est un usurpateur. Il a fait croire aux gens qu'ici avait des faux prophètes dans la région de Lakota. Depuis que je suis ici, tout est arrêté. Je suis au stade aujourd'hui de former des gens. Amen. Amen. Alors je demandais à mon frère
de venir m'aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez, chaque homme de Dieu a sa grâce. Amen. Donc, 2016 est là pour ça. C'est la formation dont je remercie l'homme de Dieu. Merci à toute ton équipe. Merci, voilà ça. Hein. Voilà, c'est une forme de délivrance, je la connais. Ben, je suis en train d'animer. Comme je disais au public, je suis en même temps chante. Faut pas que ça vous choque. Le prophète chante. Ça date pas de maintenant. Mon premier album est sorti en 2004. Cri coco, les cabas, les clébas. Cri coco, les clébas. Cri coco.